chers amis, bienvenue à la Kainé Cups Clash. Je suis en compagnie de Sel. Sel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Belle journée de dimanche sur un jeu indé made in France qu'on va pouvoir justement présenter sur ce tournoi. Ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Bah oui. Et c'est vachement cool. C'est un jeu en effet que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'Evo. Et c'est le premier jeu d'ailleurs français qui est présenté à l'Evo. Et ça, c'est assez intéressant quand même. Et c'est une belle consécration. Et ce Clash était présenté. Et Just for Games m'avait contacté en disant bah, si vous passez à l'Evo, si vous y êtes, ce serait sympa, Luffy, Crimson, Kayane et d'autres joueurs, de venir sur le stand, faire un coucou et tester le jeu. Ce que j'ai fait. Du coup, c'était très sympa. Ouais. Il y avait plein de gens intéressés, des Américains, des Européens, il y avait des gens du monde entier qui venaient pour tester. Et le jeu a eu un beau succès. Et quand j'ai testé, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est made in France. Et autant soutenir du mieux qu'on peut ce genre d'initiative. Bon, on va peut-être avoir un match de Luffy et Devil Shiranui ou ça marche pas? Luffy, est-ce qu'il se met ready là? Attends, je vais voir sur son stream qu'est-ce qu'il dit. Meanwhile. Ouais, bah c'est celui-là, franchement, il a l'air cool le skin. Tu fais quoi, Luffy? Pourquoi t'es sur Twitter à regarder des skins de Narmaya? Tu fais quoi, Luffy? Tu fais quoi? Pourquoi tu regardes les skins de Narmaya de Chrono Fantasy versus Rising, s'il te plaît? Magisa sur le jeu, c'est qui Magisa? Luffy, tu fais quoi? Oh là là, elle est trop stylée! En plus, je kiffe les magiciens. Putain, elle est archi stylée. Je joue? Ok, merci. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il fait ah non, Kayane m'appelle ou? Et du coup, c'est bon, on peut lancer? Me dis pas que c'est parce qu'il regardait. Ah le bâtard, il dit c'est bon, on peut lancer! Ah non, mais il est trop fort! Mais sérieux? Non, mais il est trop fort! Il regardait des waifus! Il regardait des waifus! Mais c'est pour ça qu'on l'attendait, mais je suis. I'll try not to. Mais rien ne va! On n'en peut plus. Non, trop loin. Et oh, il a le temps quand même parade. De mettre la parade. Oh, et il attend encore. Encore une fois. Ah, il a le temps de. Ouais, il aurait pu jouer à Soul Calibur. Hein. Finalement. Aïe, ah, yeah. Bien joué ça. Ah, il y va un peu en reculant là. C'est. Ouh, tout, 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 tout. C'est un peu précipité, mais finalement, c'est quand même passé 3-1 pour Devil Shiranui. Fais le taf. Apparemment, Devil, il tape depuis un bon moment sur le jeu aussi, donc là, Luffy, il a de la bonne concurrence. Il a plus d'énergie, et ouais. Et direct... Attends, la musique, elle met la pression en plus. Oh, jolie parade de dos. Ouais. Le coup chargé. Oh, je pense que là, il a sous-estimé la portée de ce coup. Il aurait fait un backdash, je l'aurais esquivé. En plus, il n'y a pas de temps mort, en fait. Non. Il n'y a pas de temps dans ce jeu. Aïe aïe aïe, oui. Ah là c'est chaud. Ah bah là, sans endurance, je peux rien faire. Très tendu, oh. Oui. J'aime bien ces dash coup de bombe là qu'il fait à chaque fois. Oh, la portée là, c'était bien. Ah, il refait. Et là, faut en profiter, voilà. Putain, direct, l'endurance, comment elle a chuté. Dash dash, et puis derrière le coup de pommeau, malheureusement, il n'y a plus grand chose pour survivre. Encore coup de pommeau. Oh, la petite esquive au dernier moment. Luffy qui s'est dit, ok, il est en train de charger, je vais attaquer juste avant. Et là, belle anticipation hein, de Devil Shiranui. Allez, encore. Oh. Ça fait deux fois qu'il se fait rattraper là-dessus, à vouloir trop dasher, à se faire... En étant plus agressif, ça marche bien. Hein. Oh oui, ça s'esquive. Ouais, non, au bout d'un moment, la danse a beau s'effectuer, faut y mettre un terme. Ce round de l'infini en fait. Hein. Mais c'est tellement tendu, je te jure. Ça veut vraiment pas se laisser, ça dash dash. Ça veut pas se toucher. Elle a oh la parade sur le coup chargé. Non mais c'est trop bien joué de Luffy. Oh là là, c'était pas suffisant, pas deux fois. Putain, c'était trop bien joué. Le coup chargé qui est paré. Sorry Jinmu. Du coup il y a 2-1 pour Devil Shiranui. Oh, ouais, c'est chaud. C'est ça. Oh, il avait fait une esquive sur place, c'était trop tôt. Ouais. Et là, c'est chaud. Balle de match.
Balle de match. Oh. Eh bah ouais, dis donc, comme ça, 5-0. Eh bah, victoire 3-1. Sorry, Jinmu. Ah, le prochain match promet d'être intéressant, puisqu'on avait vu notre cher Luffy, joueur de Street Fighter 6. Mais maintenant, on va avoir un super Akuma, joueur champion de Tekken, qui va affronter Hooligan. Du coup, Super Akuma est à gauche ou à droite, Human? À gauche. Ok. Donc, il joue Jinmu. Ouais. On a un Jinmu Susanoo, encore une fois. C'est ça. Ça va pas être la même dungeon, j'ai l'impression. Hein. Super Akuma qui a mis les 3-0 à tout le monde pour arriver jusqu'ici. Hooligan est très chaud. Mmh, ouais, elle a mon avis, ouais. Oh là, y a zéro hésitation dans les actions de Hooligan. Hein. Mais Susanoo, là. Tu vois déjà dans la façon de se déplacer d'Hooligan, ça a rien à voir. Tu vois les micro-pas. Ok. Ok. Je pensais pas que ça allait être aussi expéditif. Ouais. Pour être gentil. Expéditif. Oh, c'est magnifique. Mais ce backdash, whiff punish. Oh, la chimie magnifique. Dash avant, dash arrière, attaque. Ah. Oh, la parade. Ça l'a envoyé super loin. J'ai jamais vu une parade qui envoie l'adversaire aussi loin. Je sais pas de quoi ça dépend. Ouh, allez. Premier hit pour Super Akuma. Ah, ça va, il arrive à se débrouiller pour fermer un peu le jeu, mais le truc c'est que c'est un personnage aussi évasif et rapide que Susanoo. Ah, ils ont plus d'endurance tous les deux. Hein. Allez, ça respire. Oh, et la suite directe, ça enchaîne. Le match est plus rapide hein, que ce qu'on a vu précédemment avec Luffy. Not too bad, but I expected better. Est-ce que Super Akuma va réussir à s'adapter? Allez, c'est reparti. Super Akuma à gauche, Hooligan à droite, avec une super Susanoo, zéro hésitation. Ah oui, la slash direct. Ouais. Même pas d'embrouille. Même pas essayer de faire semblant. Ouais. Pas de feinte. Mais tu vois, là où Devil Charnu, il feintait énormément, voilà, Hooligan il va direct au but. Ah oui, et il a tellement bien fermé le jeu avec ses dash justement, parce que Super Akuma qui a essayé de le rattraper. Ah, quand même, là-dessus, la touche avantageuse. Pour Super Akuma. Mais ouais, non, il ferme bien le jeu avec ses dashs, avec le coup de pommeau qu'il a esquivé pour ensuite remettre un taquet. Oh là là. Ça essaie de justement trouver le bon positionnement. Au niveau de l'énergie, on est bien côté Hooligan, mais on veut pas se précipiter cette fois. Ah, ces petits avant-arrière, j'aime bien. Oh, comment ça s'est transversé? Ouais, trop loin. Ah, il restait un pixel. Ah, 3-1. Oh, c'est petit. Regarde-moi cette dash dance. Ça, c'est pour intimider l'adversaire aussi. Hein. Ah, il y a un peu de ça. Ouais, non. Oh. Malheureusement, il a vu qu'il y avait un peu cette volonté de vouloir aller vers l'avant. Slash direct. Slash direct. Oh, la belle esquive hein. C'était trop tard malheureusement pour le whiff punish. Belle parade. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Se rapprocher, la belle esquive. Voilà. Allez, faut recharger son endurance. Joli de la part de Super Akuma. Un petit peu too much là du coup. Belle esquive au bon moment, le combo, et on profite. Alors, il fallait que ce coup il touche parce que l'endurance était à zéro après. Hein. Ouais. Enfin, une fois, les esquives suivies d'une attaque. Ah, ça touchera pas quand même. Très bonne parade. Et on a plus trop d'énergie, mais on va quand même continuer de temporiser. Après, c'est Super Akuma qui dash jump maintenant. Non, oh, il s'était si bien adapté, Super Akuma. Très jolie parade. Et il a peur là, hein. Vraiment, il a pas envie de se précipiter, voilà, justement.
Là, c'est ce qu'il attendait, c'est une opportunité pour pouvoir justement chercher son dash, aller sur le corps à corps. Et il se fait attraper là-dessus. Ouais, parade un peu trop tôt, pour le coup. Ça commence à feinter un peu. Oh, aïe, l'esquive au bon moment. Du coup, le coup ne touche pas. Un balle de match. Hey. Joli. Yeah. Allez, 4-3. Super Akuma qui peut revenir. Ah, il essaye quand même de peut-être reprendre un petit peu l'avantage corps à corps, justement. Bah, c'est Hooligan qui l'emporte. Joliment. Bien joué. 3-0 face à Super Akuma. Sorry, Jinmu. Sorry, Jinmu. Et non, faut jouer Susano, faut jouer l'ado. Bon. Oh, bien joué, ça. Peu mal attaque. À Yurven, là, pour l'instant, il domine. Et au moment où je dis ça, c'est bien, en fait, je les curse. Il faut. Eh, c'est terrifiant. Moi, franchement, c'est les dashs de Susano, ça peut arriver tellement vite. Mais là, pour l'instant, il fait que reculer. Reste prudent sur les appuis ou pousse sur le bassin. Parade, il l'a vu. Ça n'avait pas de problème. Voilà, tu vois. Et là, punition. Quand je te disais que ces dashs, ils me faisaient tellement peur, c'est justement pour ce genre de situation. C'est horrible. Ah ouais. Ça, c'est mes rounds préférés, les deux qui chargent et puis le premier qui sort à gagner. J'aime bien quand c'est plus agressif comme ça. Bah oui. Allez, direct, d'entrée de jeu. Voilà l'essentiel au bout d'un moment. On est fatigué. Oh. Pas de parade. À 4-3. Ah, il provoque beaucoup là justement en chargeant. Bien. Wow. C'est ce que je te disais, ouais, il provoque beaucoup justement en lui laissant croire qu'il a des grosses fenêtres alors qu'au bout d'un moment il va juste mettre un hit et il s'en fout. Wow, là ça va vite. Oui. Il a pas le temps. Les semblants de chimie dans ce jeu qu'ils essayent de provoquer avec magnifique. Ça. Passage dans le dos mais temps de parer. Et il retourne. Contre-attaque. Non madame. 2-1 pour Jinmu. Oh, simple et efficace. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire là, l'ami. Du coup 3-1. C'est bien, ça va jouer l'égalisation. Mais au moins ça se tape. Au moins c'est... Tu vois, ça s'observe pas, voilà. Ça surprend, tu vois, juste un coup comme ça d'entrée de jeu, sans feinte, rien. Oh, tiens, tant mieux. Le fameux dash attaque. Ça, voilà, c'est ma phase préférée. You fought well. Non, mais il but le faut pas, parce que enough. Tu comprends, ma gueule, pas capte. Rien à faire. Ah, donc on nous dit, quand on se prend un pommel strike après avoir tué, le perso retrouve ses 4 stamina et peut faire des actions. Je vois. Oh. Oh, les deux. Oh. Oh, la double touche. Oh, belle parade. Il y retourne. Oui, il y retourne. Pas chaud. Oh. Putain, ça va tellement vite, le dash. C'est une folie. Punition. Merci. Oh, bien, Paris. Oh, il retourne quand même. Il n'avait plus d'endurance, il l'a interrompu. Oh, le pommel counter, ouais, il lui a fait mal. Ah, c'est bon, il va recharger les deux tranquillement. Oh, le pommel, il était bon, mais le dash, ouais, il va pas réattaquer quand même derrière. Il n'a plus beaucoup d'endurance, alors se recharge. Ah, c'est tendu. Ça joue un peu plus avec le pommel des deux côtés là en plus. Là, tu vois, dash, et il essaie de pommel plutôt que d'attaquer. Il va dasher une fois et attaquer. Ah, le whiff. Merci. Un peu dur. Et y a plus d'endurance. Y a plus d'endurance pour attaquer. Oh, c'était tellement bien. C'était tellement bien. Malheureusement, on était trop loin. Voilà, ça a tout rechargé. Oh, joli ça. Oh, et avec l'effet du stage, c'est tellement stylé. You need more training.
Avec le Tori là en arrière-plan, c'est magnifique. Eh ben on est parti, ça y est, c'est la grande finale. Hooligan contre Yorven, c'est parti, let's go. Allez, ah bah ça commence direct hein. Ouais, first blood. Il n'y a même pas l'envie de vouloir épiloguer plus que ça. Avec ce sabre, encore une fois, c'est dash très très rapide. Et surtout ce dash dance, c'est pique. Et bien de la part de Hooligan. Ah bah là, Hooligan il est en mode speedrun. Il n'a pas le temps. Moi je crois fort en Hooligan parce que pour moi il joue sous ça. Tu es tellement fort ce perso dans ses mains. Comment il le maîtrise. En fait, c'est pas juste genre le perso est fort et tout, c'est juste qu'à chaque fois il arrive à trouver ses timings de dash pour toujours trouver les opportunités de faire ses touches. C'est un truc. Wow. Alors là. Voilà. Est-ce que ça va être un 5-0? Non. Est-ce que ça va être non, un 5-0? Non, quand même pas. Non, j'ai trop peur. Mon cœur tremble. Ça fait trop fort. Voilà. J'ai curse. Ouais. Oh bah tant mieux, l'honneur est sauvé. T'as été catégorisé mage noir, c'est écrit maintenant. Ah oui, c'est écrit, je sais. C'est sur Twitter d'ailleurs. Pas mal. Ah bah tu vois, en plus, pour gagner 5-1, c'est vraiment parce que j'ai dit que ça va être un 5-0. Sorry, Jinmu. Attention encore une fois sur ce dash dance qui provoque avec dash dash. Oh. Il se fait réceptionner encore une fois avec ce pommel. Et le finish en plus derrière, parfait. La touche. 2-1. Ah, ça traversait, hop. Ça va trop vite ce perso. C'est, si tu dors, c'est impossible. Ah, si tu clignes des yeux. Oh là là, bien joué, ça deux fois. Ah ouais. Rester dans la zone de confort, voilà. Et on récupère tout son endurance maintenant. Sortir un peu de cette mélasse. Oh, et encore. Il a trouvé comment contrer les esquives comme ça à outrance. Le truc c'est qu'il s'est enfermé lui-même dans le corner, dans le coin, tu sais, ouais, genre il a fait que reculer, après il a fait bon là maintenant il va falloir que j'aille. Bon on va faire la même chose, on va voir si ça passe, et là ça passe plus du tout. Ouais, bonne parade ici. Ah là là. Oh magnifique. Là c'est chaud. Waouh. Magnifique. Oh c'est parade contre parade contre parade. Mais. C'était intense, ouais, de fou. Encore il se fait réceptionner. Il y a plus d'énergie, plus d'énergie. Allez, on va profiter maintenant. Yes. Putain, ce round c'était incroyable. Oh j'ai adoré. Oh là on punit. Oh là. Il n'y avait plus d'endurance. C'était maintenant ou jamais. 2-1 déjà. Ouais. Bah ouais bah. Baldur Izet. Incroyable Yorven qui revient des enfers. Il aurait pu relâcher hein. Sincèrement là il y avait quelques frames. Il aurait pu relâcher. C'était risqué certes. Trop loin. Parade. Il a le temps. C'est chaud là ce round. Ça veut pas se tuer. Oh, parie encore. Reparie, tu vas où comme ça? Reparie, ça parie absolument tout. Oh, oh magnifique. Et c'est Hooligan qui l'emporte sur ce round. Belle parade. Oh l'esquive pour esquiver le coup en dashant en avant. Ça c'est magnifique. Le jeu qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser au premier abord, sincèrement. Oh, le reset à portée de main là. J'ai envie d'y croire. Ça peut arriver là. Le reset à portée de main, je l'ai dit. Yorven qui revient. Ah, il attend le dash. Hein. Il va attendre le dash. Oh, Hooligan. Ah, il a hésité à pommel, c'est tellement dommage parce que là il y avait une opportunité de fou. Not too bad. Ça a choisi la baguette. Ah bah oui, bien sûr. Pour sa victoire française, évidemment. Allez, la tension au maximum. C'est chaud, c'est chaud. Prends des risques là quand même avec Susanoo. Il prend des risques avec Susanoo. Ouais, la baguette, normalement c'est censé être un bon buff ça généralement, mais c'est un bon buff à la française, donc ça donne accès ouais, à la politesse française. Ouais, mais t'as pas le combo béret, donc ouais. Tu es nerfé là. C'est vrai, c'est vrai. Tu gardes le chapeau de paille, c'est pas bon avec la baguette. Oh.
Bien joué. C'est serré, c'est serré. Mm-hmm. Oh là 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 là. Personne ne veut mourir ici. Proche du reset là, balle de reset. Tu es coincifié. C'est coincé. Oh, il a quand même le temps. Il a attendu trop longtemps. Il aurait pu punir. Oh mon dieu, ça ne veut pas gagner. Est-ce que la politesse française va l'emporter? Est-ce que la French Tiff... Ah, ça ne veut pas gagner. La French Tiff est peut-être à nos portes. C'était un balle de reset là. Oh là, il a essayé. Parade. Parfait. C'est bon, ça revient. Oh, le pommel. C'est le reset, enfin. Oh, le pommel, il était tellement bien joué. L'échec et bat qui s'en suivra derrière. You fought well, oh là là. But it wasn't enough. Et bah finalement, la baguette qui n'aura pas carry. Peut-être, ouais, non, c'est bon, c'est esquivé, c'est paré de nouveau, il y a le temps pour ça. Oh, dash, ouais. Et le whippish, mais trop loin. Oh, à chaque fois, ça se joue à si peu. Il n'y a plus d'endurance pour profiter, voilà. C'est bon. Il le sait, il l'a vu. Même s'il s'est pris un pommel, tu vois, histoire de le repousser. Moi, je m'en fous, mon gars, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la portée. J'ai une épée. Et ça, à chaque fois, il essaye d'y aller en whiff finish, mais il s'y prend trop tard, il se prend une parade à chaque fois, c'est un peu dommage. Donc, oui, et oui, bien sûr. Eh ben, tu vois, là, avantage psychologique pour Yorven. Mais c'est plus que avantage psychologique, là. Limite, il est pas dans son cerveau. Attention, Ligan. I finally surpassed you. Avec ses dash là où il essaye de provoquer des choses, j'aime bien. Oh, ça joue tellement, au pixel près. Oh là là. Waouh, c'était quoi cette phase? Elle voulait rien dire, c'est pas fini. C'est pas fini. Y'a plus moyen, ouais, c'est bon. On va pouvoir revenir, essayer de reposer un peu les choses parce que là on s'est un petit peu trop excité. On s'est encore un peu trop excité. Pummel et la touche derrière. On va contrer quand même. Voilà, avec les multiparades. Je pense qu'il a cru qu'il allait feinter. En fait, non, il a vraiment sorti le coup cette fois. Un peu passif là, j'ai l'impression, parce qu'il n'a pas envie de prendre des risques inconsidérés. Ouais, parce que là, depuis tout à l'heure, voilà, parfait. Oui, finish, parfait. Ouais, parce qu'il fait que de le provoquer depuis tout à l'heure. Non, patience, des mères de sûreté. Et jouer le finish. Et encore avec cet échec et mat. Balle de 2-1, du coup. Ah bah, Yorven. Yorven qui a bien rattrapé. Oh là 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 là. Et ce finish. Cette scène de fin, c'est fantastique. Vraiment, je découvre le jeu de plus en plus à chaque fois. Voilà, parade. À l'exact bon moment. Oui, finish là, malheureusement, c'était une back attack. Ah, joli. Et Hooligan qui vraiment veut revenir. Ouais. Et il y a de bonnes chances que ça arrive. Après, je rappelle, Hooligan, sur cette grande finale, le tout premier match, il l'avait expédié en 2 minutes. Attention, Hooligan proche de remporter ce match. Ça m'a touché. Ça y est, on arrive à l'ultime match, les amis. L'ultime match de cette Kainé Cup sur Splash. Il a reset. Ce serait triste quand même pour lui de tout faire pour perdre maintenant. Et c'est là où la deuxième place devient pire que la neuvième. C'est quand t'as tellement taffé pour ça que finalement tu t'arrêtes juste après avoir eu, juste avant la consécration. Voilà, là, attention. Voilà, il a voulu rusher, Oh l'erreur! Ah, il a voulu trop en faire. Et t'as vu comme l'endurance était quasi à zéro, il a dashé tellement de fois, après il avait plus de ressources, il a pas pu mettre le coup ultime. Beau pari. Voilà, ça prend les prudences nécessaires pour bien respecter le whiff. Allez, le pari bien utilisé ici. L'esquive magnifique. Elle était magnifique celle-là. Magnifique.
si chaud. Je sais pas comment ils font pour trouver ces parades à ce moment-là précis à chaque fois, genre. Il y a tellement d'occasions que ça vient, mais c'est même pas anticipé ou quoi, c'est juste ça vient comme ça. On n'a même pas essayé de chercher une attaque. Ouais, ah, et le pari avec les dernières ressources. Pari encore une fois. Oh là là. Ah, il s'est retrouvé dos, il a réussi à parer quand même. Ah, c'est tendu. Et Hooligan qui se met dans le coin. Oh, le double dash. Eh ben, dites donc, Hooligan, qui pour l'instant mène 3-1 sur ce dernier match. Ouais, bonne parade pour pas se faire réceptionner. Encore une fois, un peu beaucoup de coups. Mais l'esquive avant la spéciale. Et balle de match. Ah, Yorven, il faut revenir, c'est maintenant ou jamais. Il y a 4 balles de match en tout. 4 balles de match. C'est Hooligan qui l'emporte. Il n'y aura même pas besoin d'aller chercher plus au dernier round de ça. Ça y est, il est revenu. Totalement. Oh putain. Oh, je pense que là, ça doit être un tel soulagement pour Hooligan. Ouais. Il était en winner bracket. Yorven a réussi à reset. Il y avait 2 partout. Et là, bah, il l'emporte assez facilement sur ce match. Hein. On sent la tension, mais le dernier match, peut-être que Yorven avait trop de pression. Peut-être que ça a choqué. Mais en tout cas, félicitations à tous les deux. Hooligan, tu remportes un beau PC portable, le Asus ROG. Ça, c'est magnifique. Et bien voilà, merci beaucoup Cell, merci Human, merci Zatsu hein, qui a organisé tout le tournoi. Merci JS4Games, Asus, ROG, Intel, Nakon. C'était incroyable cet après-midi avec vous. Merci d'avoir été si nombreux, hein, 85 participants à participer au tournoi sur Sclash. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Des bisous. Ciao, ciao.